Ah bah bonsoir Emma et bravo pour cette large victoire face à San Antonio. Comment est-ce que tu as vécu ce match? Le début de match, on a vu une attaque en pleine réussite. San Antonio qui a réussi à s'accrocher, puis après ça le trou s'est fait petit à petit. J'ai juste joué le match, le monde a fait comme ça. On savait que ça allait être plus difficile que le match passé. Parce que maintenant, ils avaient encore une perte contre Connecticut. Donc, on devait faire attention à ça. Et on a juste joué notre jeu comme on sait qu'on peut le faire, mais on ne fait pas toujours. Mais maintenant, c'est tout bien. Parfois, on a essayé un peu passer tout le monde trop vite. On a gagné. Et donc toi, sur le plan personnel, tu as joué à peu près 20 minutes, 8 points, on a une belle agressivité au rebond. Qu'as-tu pensé de ton match, de la performance individuelle? J'ai fait mon meilleur, j'ai fait ça plus dur. Je pense que tout le monde est content, moi aussi, mais ça peut toujours être mieux. J'ai fait quelques fautes. C'est toujours comme ça, donc le prochain match, je peux essayer de faire mieux. Et justement, maintenant, on arrive à la mi-saison. Après donc une moitié saison, tu es dans le top 10 d'à peu près toutes les catégories statistiques pour les rookies, aux points, aux rebonds, aux minutes. Quelle est ton opinion sur ton début de saison et est-ce que tu penses que tu as progressé dans certains domaines du jeu? Merci, c'est fait. Ça c'est fini. Tous les entraînements, tous les matchs, ça prend. Ça c'est le plus important pour moi. Pour le reste, je suis content que je puisse jouer parce qu'il y a des filles qui n'ont pas si beaucoup de minutes. Je suis content avec la confiance que je prends où je me prends. Les matchs sont mieux, parfois un peu, mais j'apprends. Ça c'est. Cette année, j'ai dit. Il y a encore des années, mais maintenant c'est le plus important pour moi d'avoir la confiance pour moi-même et avec les joueurs et les coachs. Ça marche. Je vais continuer à jouer mon jeu. Donc, la surprise, tout avec Saku, joueuse ici. La luxe, c'est passé maintenant. Je suis avec lui. Et est-ce qu'il y a justement un adversaire, une joueuse qui a été le plus difficile pour toi à défendre ou enfin quel était ton adversaire la plus redoutable pour l'instant? C'est toujours difficile. Tina Charles, Mark, tu vois, Maya Moore, voilà les grandes stars de la ligue. c'est toujours une défi. Je vais contre une joueuse parce que tout le monde a son nom. Il faut juste connaître leur jeu et essayer d'adapter ça en équipe. C'est ça qu'on fait. Et donc maintenant, l'équipe de Washington, les Mystics, affiche un bilan de 8 victoires, 7 défaites. Troisième place dans la conférence Est. Pour l'instant, l'objectif playoff se passe plutôt bien. On a parlé de ça il y a deux jours, qu'on a la position presque le plus favorable parce que nos favoris. Parce qu'on a déjà joué très bien. Minnesota, les Phoenix, tout ça, on a déjà fait ça. Et on va encore jouer beaucoup contre les équipes qu'on a déjà gagnées. C'est pas parfait, mais très bien pour nous. On va essayer de faire gagner comme vous et essayer d'arrêter les playoffs. Et un dernier mot, le mois dernier, tu nous avais donc dit que la France était ton favori pour l'Euro. Voilà, au final, la France s'est inclinée face à l'Espagne en finale. Est-ce que tu as suivi le tournoi? Oui, j'ai suivi la française. Je suis content pour toi, pour elle.
deuxième place, c'est pas mal, mais j'avais espéré que la première place. C'est bien. Félicitations. Voilà, ben merci beaucoup Emma, et puis bonne continuation pour la suite. Allez.